Salut tout le monde, nous voici repartis pour Don't Star, 21ème épisode. Tout de même. Qu'est-ce qu'on... Ouais, on voulait ramasser un peu de pierre, on avait dit avant de se barrer. Et donc nous revoici. Ah ouais, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Et on se posait la question, est-ce qu'on va aller dans le volcan ou pas? J'ai réfléchi un peu entre deux. Et je pense que oui. Je pense que oui parce que bon... Peut-être pas tout de suite, on va d'abord aller... Non mais toi tu vas pas vivre. Je suis un peu embêté mais... Bon les œufs on va voir. Les œufs on va voir si on va le faire. Mais je me dis, je suis juste à côté du volcan, pourquoi ne pas y aller tout de suite? Mais j'ai plus rien à me mettre sous la dent. Donc, et toi, t'as quoi? On était parti dans le délire des dodos. Alors, j'ai une idée, hein. J'ai une idée pour les dodos, on va voir. Parce que bon, j'en ai mis deux de côté, c'était censé être le bésodrome, mais pas du tout. Hein. Ils ont fait leur vie. Hein. Donc, le petit délire, c'est que je me dis, les deux que j'ai mis de côté, on va les ramener au volcan. Et se faire un petit camp au volcan de dodo. Le monde tremble. Oui, oui, oui. Ça, en revanche, il nous faut de la place. J'ai même de la jungle. Je pourrais agrandir limite. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est pas grave qu'on perde notre vie. Le camp est à l'autre bout. Mets ta canne de marche enfin. Dépêche-toi. C'est vrai qu'on a plus de place. Qu'est-ce qu'on pourrait virer? Pas grand chose. Hein. Les murs, on va dire. Pour en refaire facilement. On s'en sort bien. On a des soins. C'est pour ça que je m'inquiète pas aussi. Parce que je sais que j'ai des soins dans Chester. Donc. Et bon, et on est encore bien haut. Toi, qu'est-ce que tu dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? On va peut-être te donner quelque chose. J'ai pas pris les viandes. Ah merde, une grosse viande, allez. Je me fous pas de toi, volcan. Ah, il s'en fout, hein, c'est comme une petite viande. Il y a un doublon, alors ça doit être moi, ça. C'est pas apparu tout seul. Hein. Je pense pas. Ah ouais, bah si. Rafraîchissons-nous sous les arbres. Est-ce qu'on a... Ouais, on a un feu... On a un feu froid, déjà, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a une pierre thermale? Ah, on a encore des trucs dans le frigo, ça a tenu. Alors, l'œuf de dodo, on va le mettre dans le frigo. Ça, on peut pas le mettre dans le frigo, mais on s'en fout, on peut le mettre là. Qu'est-ce que je cherchais dans le frigo? Une pierre thermale, mais non. On n'a pas ça, on peut en faire une, vite fait, j'imagine. Je regarde hein, si j'ai pas sur moi, si j'ai pas. Et non, hein, j'étais pas du tout prévu pour cette saison. Bon après, je me dis peut-être à cause de mon test de téléportation, ça a peut-être un peu altéré. J'en sais rien. Ça a peut-être un petit peu altéré le temps. J'en sais rien le temps qui passe. Est-ce qu'on a une pioche? On a ça. En revanche, il faut qu'on mange avant toute chose. Et j'ai pas de viande. Bah, j'ai une grosse viande, ça m'embête. Allez.
On va espérer du serpent et une viande. Y a pas de serpent. C'est pas possible. Ah si, d'accord, j'allais dire. Pas de viande, bien sûr. Voilà. Petit serpent plein de poison, mais toujours pas de viande. Il saute de ma gueule. Ah non! C'est pas bon ça! J'ai pas envie de foutre le feu partout moi avec ma hache. Bon, j'ai compris. Ouais, mais c'est la nuit, y a pas de. Bah, ça va être la nuit. Y a pas de dragon, je pense, à ce moment-là. J'ai pas testé le marteau sur ça. Je sais pas si je peux péter des maisons comme ça. Ok, ok. Ça m'attriste de faire ça, mais je voulais faire un séchoir à viande. Alors du bois, on va en avoir. On peut en claquer. Voilà, et on va manger un truc consistant quand même. Alors, range ça. Je vais économiser un peu ma lumière parce que je suis un peu léger. On sait jamais. Peut-être aussi mon casque pour courir. Bon, ma canne de marche, c'est bon. Il me faut des pierres, il me faut du nitre. Ça c'est près de mon camp, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de flamme. Il n'y a pas de flamme, mais il n'y a pas de nitre. Alors je crois que c'est du salpêtre hein, maintenant, je crois que j'avais entendu ça, mais je suis pas sûr à 100%, mais ça que je cherche quoi, pour mon feu froid. Non mais j'ai compris. Quoi? Ah oui, j'avais oublié ça. Il faut peut-être un moment que je nourris le volcan. Vite. Parce que j'avais dit tiens, je vais tester voir ce que ça fait d'être dans le volcan et que ça qu'il y a éruption volcanique, mais est-ce qu'on a vraiment envie de tester maintenant? Non. Il ne reste plus qu'une clé à trouver pour libérer notre pote, ce serait bien con. C'en est où? C'est où hein? C'est où? J'arrive. Je me dépêche, il faut plus vite. Venez. Voilà, ça arrive, ça arrive. Faut être un peu patient, mais... Un deuxième, voilà. Il y en a là-haut. Très bien, très bien. Ça remonte un peu ma santé mentale en même temps. Après, on va faire que ça, de taper du dragon. Un cœur. Un cœur, bon, ben, pourquoi pas. Dépêche-toi, hein, Kidier. Ramasse du café, hein, le mec. Surtout que mes trois viandes, je vais le donner... à cet hôtel de sacrificiel. Est-ce que je peux donner le cœur? Ah non, je peux pas donner. J'avais déjà testé, je crois. Mais c'est la misère, il m'en faut beaucoup plus. Il m'en faut beaucoup plus. J'aurais dû venir avec un stock de viande, mais bon, alors c'était à la hâte hein, que je suis venu. Parce
Il m'en faut beaucoup plus parce qu'il me faut aussi de quoi me nourrir. Dépêchons-nous. Donc le plan dodo, oui, mais alors quand on est prêt en fait. Hein. Plan dodo dans les dans le volcan. Après tout, c'est l'endroit le plus sécurisé, hein, à part les dragons. Alors non, on avait pas une couronne de Tulécite à la con? J'ai défoncé ma couronne ou je l'ai laissée quelque part? Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je me souviens pas l'avoir lâchée, mais... Bon, alors viens. Voilà, tes potes, ils sont où? Tes frères, tes sœurs, peu importe. Venez. On a un besoin urgent. Ah, je bourre. Ma viande a volé. Je l'ai pas laissé sortir de son camp. Salut, on pense à toi, hein, t'inquiète pas. C'est dans le plan. Je me doute bien que... Est-ce que je peux te donner un truc à manger? Give. Tiens, un truc de café. Je peux rien lui donner. Ok, encore du dragon, c'est très bien. Bon, bien sûr, à un moment, on va manquer de d'armes. Alors, est-ce que je fais un aller-retour vite fait que j'arrive à fermer ce... Peut-être le bon plan, hein. Peut-être réussir à fermer le volcan complètement. Et... À l'hôtel sacrificiel, hein. Je vais pas commencer à faire une fabrication autour du feu, hein. Mais l'hôtel sacrificiel, le fermer complètement et on se dit, on rentre à la base vite fait, chercher les deux dodos et un peu de bouffe et forcément, bah voilà, une épée en plus. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est parce que je suis près du. Ok, non, mais y a pas de problème. Je m'en écarte de mon camp aussi. Ah bah non, mais c'est bien. C'est là qu'on voulait venir surtout, donc... Allez, je te donne tout. Dépêche-toi un peu parce qu'il fait chaud. Il se ferme. Je me dis, voilà, encore un peu de dragon, on peut tenir encore un peu. Ah, je vais me faire bourrer. Mon casque. Et lui, il est en train de s'attaquer au... Il baston avec un cactus. Du coup, un coup. Bon, c'est bien. Ok, alors encore un dragon, mais... Arrête tes conneries tout de suite. Allez, viens toi aussi. Ah mais... Étonnant, hein. Profusion de dragons. De dragoons. C'est des dragons mélangés à des toons. C'est pour ça qu'ils ont cette gueule là aussi. Le camp est juste là. Alors... Hop, manger. Frigo. On a rajouté un peu de... jungle ici, pourquoi pas. Pourquoi pas agrandir un peu. Bon. Je fais un peu de place. Ouais, en même temps, il y a des bananes, des trucs, c'est bien. C'est bien. Survie de base, hein, quand même. Après 133 jours, c'est quand même dommage. Bon, ouais. Si tu peux ramasser. Non, mais lui, on s'en fout, en fait. Je vais manquer de petits bois aussi. Hein. Petit bois, là, ça va être tendu. Bon,
Il y en a marre de ce truc. Je pense toujours à ramener des trucs hein, ici, hein, mais on a vu. Hein. La vie dans volcan, c'est pas forcément palpitant. Oui, bah, je sais. Il y a une pelle. Il y avait une pelle à 1%, j'aurais pu la finir, c'est dommage. Quel dommage. On se refait à manger. Alors j'imagine qu'il y a des recettes hein, avec l'œuf de dodo. Est-ce qu'on peut le claquer dans le croque-pot, je sais pas. Ou on le mange et c'est juste cool quoi, mais bon. Ça m'embête de le manger. J'avais dit que je testerais aussi, ouais, le côté feu. Le côté, je mets l'œuf à côté du feu comme un œuf de Tolbird et voir s'il grandit. Mais bon, il y a un nid exprès, hein, l'œuf de... L'œuf de dodo, donc forcément... C'est étonnant que j'ai des trucs comme ça à côté de chez moi. Et ça pousse, ça, c'est quoi? J'avais pas ça, hein, à côté de chez moi avant. À un moment, je cherchais du charbon. Ah non, il me faut des petits bois pour ça. Mais ouais, forcément. Bon. Disons qu'on en aura. Parce que le problème, c'est que si on remonte... si on remonte, hein, vous m'avez compris, hein, si on sort de ce volcan... Il faut... Il faut forcément un plan rapide hein, parce que on pourra pas rester longtemps dehors ou alors ça reste dangereux d'aller au camp donc mais le but c'est d'aller au camp quand même, chercher des trucs, chercher les deux dodos. Imaginez, plus de comètes dans mon camp, à l'extérieur. Enfer et damnation. Allez, fais-moi un beau feu. Qu'est-ce qu'on a dans ces coffres? On a un peu de tout hein. On va prendre ça. Parce qu'on va le faire, hein, bien sûr. Voilà, je me lâche un peu, mais... Alors quand je pelte ça, ça donne rien, je crois. Ah mais non, je peux pas le pelter, hein. C'est ce qu'on avait dit. J'ai cru, mais non. Pas ici. Donne-moi le marteau. Va. Non, mais bah autant pour moi. Autant pour moi, Nakanoï. Il est sur moi. Donc, petit enclos à dodo. Ah, ça commence. Ça commence très mal. Tourniquet, hop. Ah ben non. On va dire que ça va tourner là. Ah non mais j'avais oublié ce détail. Donne-moi ça. Ah ça va être beau. Encore une fois. Ça va être magnifique. Et il nous manque de la pierre maintenant. Alors, le volcan peut-être. Peut-être faudra y penser. Et c'était la journée, c'était le moment d'aller tuer du dragon. On va pas faire que ça non plus. Il est reparti hein, lui. De plus belle. Ça va encore. Voilà, est-ce que j'ai vraiment le temps, quand je l'éteins complètement, quand je le ferme, est-ce que j'ai le temps de retourner jusqu'à mon camp et de revenir sans qu'il y ait embrouille?
Ça, c'est pas sûr du tout. Ah, mon plan esquive n'a pas marché. Après, je peux toujours me faire une lance, hein. Si c'est juste ça qu'il me faut, si juste ça ma galère, j'ai plus d'armes, bon, c'est pas bien grave. Hein. On peut rester indéfiniment dans ce volcan, hein. Ad vitam aeternam, mais non. C'est le moment du café. On va pelleter un petit peu. On en profite, hein, on en profite de ce volcan. Telle splendeur. Regardez ce sol en magma. J'ai jamais vu. On retrouve nos murs. Mais j'ai déjà 40 pierres. Bon, pire, on en reprend. On aurait peut-être en ramener à la maison. Bon, et accessoirement, on veut trouver des gemmes bleues, violettes, rouges. J'essaye de pelleter le truc d'obsidienne, ça marche pas. Et dans ce genre de truc, on peut en trouver de par moment. C'est seulement dans celle d'or. Je sais plus, mais. Où ça vole? Bon, les dragons, ouais, c'est parti dormir. Où on est où? Parce qu'on court dans tous les sens, mais on voit pas tellement où on va. Ah, Nakanoï, c'est pour toi, c'est cadeau. Alors, voilà, il est déjà reparti lui. Après, on a un petit temps quand même, mais. Voilà, toi tu vas prendre ça, comme ça on va repartir avec. On est quasiment sûr. Ouais, étonnamment, j'ai plus mon. J'ai plus ma couronne. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Elle a pété peut-être un. Un doublon, un fameux doublon qu'à chaque fois je vois pas. Qui saute de mon coffre. Il n'y aura plus qu'à maintenant. Ouais, ça fait longtemps que t'as pas mangé. Est-ce qu'on peut se refaire un truc en obsidienne? Oui, mais tes volcanostaff, on en a deux maintenant. Alors, peut-être. Ah, peut-être. Une idée me vient. D'un coup. Parce que j'en ai pris un de Volcano Staff. Est-ce qu'on ferait pas le con? Au moins une fois. Bon, alors, ce qu'on va faire. Nakanoï, reste là.
sais jamais, je maîtrise mal encore tout ça. On va aller où il y a du monde là-bas au bout. On va faire notre show et lumière à côté du barbu. Bon. Je crois que je l'ai fait une fois, bah je l'ai testé une fois ou deux, mais pas plus. Hein. Je l'ai testé une fois, j'ai vu que ça a sauté, j'ai fait oh putain, on se casse. Bon, regarde bien, papy, parce que là, ça va donner. Wood legs. Jambes de bois. Alors, bouge pas, petit dragon. Est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il bouge pas? C'est parti. Mais non, il bouge ce con. Oh le vache. Et va dedans, va dedans, vas-y. Oui. Tout à côté. Tout à côté, rien dedans. Bon, c'est pas grave. Hein. Je n'avoue pas vaincu. Putain, fumier. Pouf, 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 je l'ai eu celui-là. C'est beau, hein. Ah ça bouffe en revanche, hein, ça bouffe de la canne. Bon, maintenant qu'on a bien fait les cons. Est-ce que je peux péter? Alors c'est possible hein, ça. Oh ils sont trois, c'est chaud quand même. C'est chaud d'ailleurs en parlant de ça. Bourré, bourré. Ah, à la main, à la main. Est-ce que j'ai une arme sur moi? Rien du tout. J'ai ma hache d'obsidienne, les mecs. Non, la hache d'obsidienne. On reviendra. Ça les impressionne pas plus que ça. Non, mais c'est tout. C'est tout. J'arrête de faire le con. J'ai perdu bien trop de points de vie. Mais ils sont partout. Maintenant, ils sont partout, les fumiers. J'ai plus d'armes. Je suis parti sans ma pierre thermale en fait, ouais c'est ça l'idée. Et salut toi. Eh ben on a un doublon. On se croise. Oui non mais je sais que j'ai chaud. Je sais pertinemment que j'ai chaud, j'ai plus que 92 points de vie. Il est où mon camp? Putain il est super loin. Alors il pourrait hein, il pourrait le loulou hein, faire un feu endothermique, se rafraîchir les miches. Mais non. Il court, il perd ses points de vie à gogo, il s'en fout. Il est là le feu. Il est là le feu, ma pierre thermale est avec. On peut limite se faire des soins, il nous faut des arbres. Des armes. De l'arbre à cendre. Est-ce que j'ai pas mis une lance dans ma canne? Il y a tous les coups non. Ouais, j'aime bien, il reste bas, c'est pratique. On en avait un autre, hein, d'arbre. Nous en manque un. Sans 109 points de vie, ça va, mais... l'accident est vite arrivé. Les doublons ça va vite hein, quand même. Alors il nous fallait ça. Et c'est tout. Est-ce qu'on en a... Ouais c'est bon, j'en ai déjà fait des soins.
c'est pas si mal. On a deux gemmes bleues ici. La viande de monstre, hein, je suis un connard. Il est où mon... Il est là, hein, mon truc d'araignée. Je cherche de la viande de monstre, y'a qu'à aller voir les araignées. Tout se passe bien, hein, tout se passe bien, mais on n'a pas tellement envie de rester ici. Alors fais voir, est-ce que t'as une arme sur toi? Ah ben t'as de la viande. J'ai foutu de la viande sur toi. T'as une hache classique. Bon après. On va se refaire des boulettes pour la route. L'œuf de dodo, l'œuf de dodo. J'en sais rien, moi, l'œuf de dodo. On le reprend. On le reprend, on ira le poser à la maison. Bon, soit. De la bûche en trop, on va le laisser là. Qu'est-ce qu'on a laissé ici? L'œuf de Tolbert, bon, il est bien ici, on va dire. Alors après, j'ai une théorie sur les saisons. Mais on a vu hein, les premières... J'ai plus de viande. Faut que je mette une petite viande là-dedans. Les premières saisons, il y a eu une vingtaine de jours à chaque fois. Et dès que j'ai fait le tour complet... Il y a eu des saisons bizarres. Et je me dis, est-ce que c'est pas... dès qu'on a fait les saisons complètes, les 20 jours en suivant à chaque fois de saison complète, on a le même cycle, ou des cycles un peu différents, on a vu, mais plus courts. Parce qu'on aurait des trucs plus courts qui se disent, bon ben voilà... N'attends pas encore 60 jours avant de voir ce que t'as envie. Enfin, je sais pas, hein. Je sais pas, j'ai plein de théories, mais... Pour l'instant, ça va rester comme ça, hein, sur le flou. Donc on va voir s'il y a le temps de... retourner à la maison, au petit camp, hein, et s'en prendre des comètes sur la gueule. Ouais, forcément, on va se faire attaquer. Le bateau, il en est où? 196. On va pas chercher l'affrontement, je pense pas. Hein. Je pense qu'on va juste tracer. Parce que les requins, là, sans épée, à chaque fois, je me fais avoir. Ah, quoique, j'ai un lance-patate, mais bon. C'est la galère, hein. Pour en tuer un, mec, le lance-patate, c'est bien. Pour tuer une tripotée qui arrive à la maison. J'ai une bonne lance dedans, mais bon. Voilà, ils arrivent déjà à 3 en même temps, dès le début. 4, 5, 6. Oui, non, mais on va faire ça, les mecs. On va pas prendre de risques. On va jouer le lâche. Parce que, ouais, je l'avais dit au précédent épisode. Est-ce qu'on va jouer les couilles ou pas? Est-ce qu'on va se recroqueviller dans sa coquille et se dire c'est beau. Et finalement, voilà, c'est ce qu'on a fait. Hein. Je suis retourné au volcan, la queue entre les jambes. Me dire vite, vite, faut éteindre ce volcan.
Non, les requins, c'est pénible. À la queue leu leu, les mecs. Prenez un ticket, faites la queue. Bon, il est où? Elle est où? Mais tiens, il y en a un autre là. Il y en a un autre qui se balade en solo. C'est ceux qu'on a paumé entre deux. Hein. On avait même fait la même technique. Bon, alors les mecs, voilà. Non, mais non, non, mais. Venez ici. Ah, mais non, venez, j'ai dit. Ah, ils s'en foutent de moi. Ah, non, mais ça marche pas ça. On va se les taper après. Bon, c'est pas grave, après on aura une lance. Mais même comme ça. Bon, du coup, on a envie de reprendre le bateau. Ils vont venir direct. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a moyen d'en prendre un ou deux? Ouais, voilà. Tu as pas vu venir celle-là. Hein. Ah, c'est violent quand même. Hein. Vite! Passe-toi. Non, mais ils ont compris ma technique. Ils se sont dit, ils se foutent de ma gueule, lui. Il voit rien, les mecs. La technique, je monte, je redescends. Ah, petit aileron. Ah bah ça, c'est bien. Une dent, bah une dent. On a dit, les dents. C'est pas... Ah, ils sont barrés, les autres. Ok, bah non, mais barrez-vous. Je pense qu'ils ont compris que j'étais un roublard. Ah bah non, c'est parce qu'ils ont... Ils ont autre chose à faire. Mais non, mais pas le poisson, connard! Et il a bouffé en plus le poisson. Oui. Voilà, on va te faire à la main parce que. Fatigant tout ça. Encore un aileron. Deux ailerons. Bon, on a vu hein, la soupe d'aileron. C'est pas fou. Hein. C'est vraiment nul. Hein. J'avais jamais vu un plat comme ça. On se fait chier à faire un plat et. Voilà la récompense, merci. Bon alors, Prends des trucs parce que on s'en sort pas. Ah bah elle est là la couronne. Elle était dans mon bateau. Ouais, ça va, c'est pas perdu. J'ai eu peur. J'étais un peu dégoûté de la couronne quand même. On n'a pas eu d'appel, hein. On est d'accord. Hein. Mais j'ai menti. J'ai menti, les deux là, ils ont baisé. Ah, c'est bien, les mecs. Ah non, mais c'est du beau travail. Hein. On le dira jamais assez. Alors, ça ici. Ah non, j'ai des boulettes. Ouais, ils mangent les baies. Hein. Ils se font plaisir. Bon, il y en a pas pour tout le monde, hein, je vous l'accorde. Mais quand même. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut. Est-ce qu'on avait pas des murs de côté? Non, j'étais parti avec. Parce que mon œuf de dodo, bon là tout de suite, il me sert à rien, donc. On va le remettre. Hop. Ouais, oh, ils vont s'en occuper, ils vont tourner autour, ça va être bien. Ensuite. Bon, ensuite, il faut un peu. Faut faire de la place. Hein. Faire de la place dans ce frigo. On sait pas ce qu'on veut faire en fait.
Ouais, deux cuisses de poulet, deux œufs. Ouais, des chances. Non, mais. Fais pas ça enfin. Il y a des chances que ça me fasse des boulettes, mais bon. On va dire que ça va être ok. Noix de coco, on y pensera de couper tout ça. Alors, des diamants. On n'a plus que des bleus. Mais on sait, hein, je l'avais dit, hein, j'ai encore du coffre normalement quelque part pour ça. Des boulettes. Bon, c'est pas fou, mais ça va le faire. Une épée. Deuxième épée. Et toi, donne des trucs parce que. Bon, l'âge d'obsidienne c'est bien, mais ça me réchauffe et c'est un peu la. C'est un peu la galère. On va finir ce combustible. On va finir, entre guillemets. Alors est-ce que j'ai fait un truc pour la pluie ici? Mais on sait pas, on sait pas. Mais non, mais donne-lui pas enfin. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pleine lune. Soit. Pleine lune. Parce que j'ai envie de prendre les dodos, retourner au volcan, mais là ça a l'air d'aller, hein. Il m'annonce rien. Est-ce qu'ils vont me faire le coup du je te balance sans annoncer? Les comètes, ils me l'ont déjà fait, hein. Par chance, j'étais pas à mon camp, mais. Bon, du coup, ça a servi à rien. J'ai tout claqué pour rien. Alors, ouais, allez. Soyons un peu intelligents. Ah, je vais claquer mes deux derniers trucs, mais c'est pas grave. Les 40 pierres. Ok. De la bouffe en avance. C'est doublon. J'adore, hein, j'adore, mais c'est limite gênant parce qu'on sait qu'on a toujours un doublon sur soi, quoi. Alors j'ai pris la botte. Ah, des. Un peu décevant tout ça. Et on va essayer de retourner voir notre pote poulpe tant que le volcan il s'énerve pas. Je me suis emballé, j'ai tout coupé. Et du coup, les noix de coco, très bien, parce que voilà, on le voit, c'était bientôt pourri, je les ai coupées, hop, tout neuf. Tout neuf. Et après, on peut les cuire. Les cuire en plus, pour encore plus de fraîcheur. Et on a vu, ça tient énormément de temps, hein, les noix de coco, donc. Bon, il y a toujours le délire des arbres vivants, hein. Bon. C'est pas non plus le plus compliqué. Est-ce qu'on a encore un kit de... Ouais. Le parapluie, on va dire qu'on va le laisser ici. Le kit de réparation, c'est pour ça. Alors il faudrait... Je vais aller voir mon bateau, mais je pense que c'est pareil, il faut que je répare un peu ma voile. 7%, effectivement, il fallait que je répare ma voile. J'avais pas vu. Ah ben, ça va. Ah, il faut que je me fasse au moins deux kits de réparation aussi. Tiens, il y a une machette par terre en or. Et
Et il me faut du petit bois avant de partir. Eh ben. Bon, déjà, ça, on peut le ranger. On peut le ranger, mais où? Mais non. Où ça? Et j'ai foutu où ma pierre thermale? J'ai laissé dans le volcan. Je suis parti sans. J'ai fait ça. Parce que là, j'en vois une, alors c'est pour ça que ça m'a interpellé. Mais pas de chaleur. Pas de chaleur, bonheur. Très bien. Moi, ça me va. Ensuite. Ensuite, on peut. Ouais, on avait dit. Kit de réparation. Deux pour faire l'affaire. On survit pas bien dans le volcan aussi parce que j'ai pas de petits bois, j'ai pas de points d'herbe. Je pourrais ramener tout ça hein, à côté du camp, pourquoi pas, hein, mais bon. C'est pas ma priorité. Le truc c'est que les petits bois sur mon île, c'est léger. Hein. Super léger. C'est pour ça que je suis toujours en galère. Bon, je vais aller... ça fait chier de couper de l'arbre. Ah, on a un coffre. Ah ouais, bah pourquoi pas, je traverse dans le noir là pour chercher un point à pêcher. Je vais là choper tous les petits bois et en même temps le coffre. Pourquoi pas? On peut faire ça vraiment, hein, l'expédition pour les petits bois, super. On a de la bouffe, on a tout ce qu'il faut, tout est à 100%. La machette on en a deux, on a dit on s'en fout. Ah bah du coup il y a de la place ici. Et la lumière. Ah ouais, la lumière. La lumière, faut y penser parce que il me faut un filet. Mais il me faut des petits bois. Alors combien il me faut de... Quelle galère. Deux. Donc on va prendre deux toiles. Hop, on laisse le reste à la maison. Et toi, t'as pas de surplus, t'as pas de conneries. On va dire que c'est ok, tu vas même prendre ça en plus. Et la pluie, on va dire que c'est bon pour l'instant. Mon casque de guerrière, je m'en sers pour la pluie, c'est beau. Bon, c'est parti, mais... Repart un coup. Donc on a dit, on se tourne et on va là-haut. Encore ces fameuses plantes. Et là, j'aimerais un indicateur de saison. Parce que là, plus de chaleur. Hein. Je suis sorti du volcan, fini. Est-ce raisonnable hein, ce changement de saison conséquent? À un moment, je vais m'énerver. Voilà, on a des saisons de 3 jours. Hein. En un épisode, on a vu 3 saisons. J'exagère hein, toujours, mais j'aurais dû dire 5. En un épisode, on a vu 5 saisons différentes. Comme ça, on sent l'exagération. Ça passe mieux. Bon alors, est-ce qu'on a un truc fou ici? J'ai pris de la canne à pêche. J'y crois à mort. Le poulpe, il est où? Il est pas là? Non, ah, pas du tout. Il est où? Ah, ce poulpe. Ce poulpe démoniaque. Il est là. Il est là, donc, à l'opposé. Parfait. Donc, ça sera pas tout de suite. Peut-être une bouteille à la mer, un truc comme ça, on sait pas. À chaque fois, je le dis. Le mec espère à fond. Ouais, bah ouais. Il me reste plus grand-chose à explorer, alors... tout ce qui me reste... J'espère trouver un truc fou. Une vague, une belle vague.
Et on a, ouais, voilà, on est reparti en mode ça va souffler parce que ces vagues là, ça, hein. Ces grosses vagues, c'est pas du tout pendant pendant l'été normalement ça. Hein. Bah, je pense pas. Après c'est vraiment la première fois où je fais le tour des saisons donc forcément. Mais les premières je les ai vues quoi. Ah, ben ouais voilà. Eh mais c'est impeccable, c'est juste à côté. Est-ce que j'ai le temps? On se pose. On prend ce qui nous manque. 4, bien sûr. On y retourne. Et on chope. Belle concentration. Voilà. Beau objectif atteint, j'ai pété mon filet. Je suis content. Qu'est-ce qu'on a laissé? Ah, j'avais dit des gemmes. Alors ça, ouais. Chemin, hein. Alors reprends ça, prends ça. On sait pas pourquoi on le prend, mais on le prend. Et la canne à pêche, je vais prendre celle à 33%. Je te donne celle à 100%. La flotte. Ah ouais, mais ça c'est parce que ça va être la nuit. Pendant l'été. L'été l'été ouragan. On a pendant la nuit de l'eau. Et de la belle eau déjà. Bon alors je vais faire quelque chose de plus intelligent. C'est que je vais en ramener un peu chez moi, hein, parce que je galère un peu de ce côté-là, donc il faut pas trop déconner. Mais bon, on va dire qu'on va s'arrêter là pour l'instant. C'est déjà, ce sera déjà très bien. On n'aura pas fait grand-chose, mais les saisons sont folles, on sait plus. Hein. Donc je vais continuer à explorer un peu les dernières zones que j'ai pas vues sur la map et essayer de trouver toujours des trucs pour mon pote le poulpe. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!